Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grandes évolutions qui ont marqué plusieurs scènes égyptiennes durant les derniers jours. Très très vite, dans cette édition de vendredi, bien sûr, nous allons commencer par les relations entre l'Égypte et la Chine, mais justement après cette petite pause. Donc, de retour à vous, chers téléspectateurs. Comme je viens de vous annoncer, en ce qui concerne ces relations stratégiques entre l'Égypte et la Chine, on trouve que le Caire tient constamment ces dernières années à promouvoir la coopération avec la Chine dans le cadre du partenariat stratégique et global et du souci de créer de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, en particulier en ce qui concerne l'attraction d'investissements chinois, le transfert de la technologie ainsi que la ceinture et la route, selon les déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sissi. Le chef de l'État a tenu ces propos lors d'une conversation téléphonique lundi dans l'après-midi avec son homologue chinois Xi Jinping. Selon le porte-parole de la présidence, Bassam Radi, le président Sissi a fait l'éloge du soutien mutuel entre l'Égypte et la Chine et lors de l'épidémie du coronavirus, exprimé son estime pour la Chine qui a offert des vaccins à l'Égypte contre ce virus. À cet égard, Sissi a souhaité que la coopération sanitaire avec la Chine se poursuive afin de transférer en Égypte l'expertise et les potentialités chinoises. Monsieur Jinping a pour sa part souligné la coopération sanitaire entre deux pays reflétait le niveau avancé et inédit de relations bilatérales. Il a affirmé la disposition de son pays à transférer à l'Égypte ses expertises et ses expériences en la matière. Le chef de l'État chinois a loué également la gestion par l'Égypte de l'épidémie coronavirus qui a réussi à circonscrire cette dernière. Monsieur Jinping a affirmé le souci de son pays à promouvoir le partenariat étroit avec l'Égypte dans tous les domaines, tous azimuts. Il a fait état de la renaissance économique en matière de développement en Égypte grâce à une vision stratégique intégrée sous la direction du président Sissi. D'autre part, chers téléspectateurs, on trouve que le président de Fattah al-Sissi a souligné la particularité de relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis, ainsi que l'aspiration à continuer à développer la coopération bilatérale existante dans tous les domaines, en particulier au niveau militaire qui existe entre les deux pays au cours des dernières décennies. Le président de Fattah al-Sissi a tenu ses propos lors de sa rencontre avec le chef du commandement central de l'armée américaine, CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, en présence du chef d'état-major des forces armées, Mohammad Farid, ou l'ambassadeur des États-Unis en Égypte, Jonathan Cohen. Sissi s'est félicité du commandement central de l'armée américaine, CENTCOM, le général Kenneth McKenzie, lors de sa visite en Égypte. Monsieur McKenzie a pour sa part affirmé sa volonté de poursuivre le rythme de coordination de concertation conjointe avec l'Égypte envers les questions régionales dans le cadre de la solidité des relations militaires entre l'Égypte et les États-Unis qui sont essentielles pour faire face aux défis actuels qui menacent la sécurité et la stabilité de la région. Toujours en ce qui concerne le niveau militaire, cette fois-ci, on trouve que les marines égyptiennes et espagnoles effectuent un exercice naval en mer Rouge. Avec plus de précision, les marines égyptiennes et espagnoles ont effectué un exercice naval transversal, PASEX, dans la zone de responsabilité de la flotte sud de la mer Rouge, et ce, avec la participation des frégates égyptiennes Sharm el-Cheikh et espagnoles Espes Reina Sofia. Le PASEX comprenait plusieurs activités de formation professionnelle, notamment des exercices spécialisés pour la surveillance des navires suspects
et pour les procédures de sécurité maritime ainsi que les diverses formations qui montrent la capacité des unités maritimes mixtes à mener à bien leurs tâches avec précision et compétence. Il s'agit du deuxième exercice PASSEX dans un court laps de temps et ce en coopération avec la marine espagnole très expérimentée sur le terrain, ce qui reflète l'importance de ces exercices conjoints pour consolider les relations bilatérales, améliorer les perspectives de coopération militaire entre les deux pays. D'autre part, on trouve, chers téléspectateurs, que l'Égypte a été réélue membre du Fonds monétaire international de développement agricole FIDA pour un nouveau mandat 2021-2024, selon les annonces faites mercredi par l'ambassadeur d'Égypte à Rome, Hicham Badr. L'Égypte accorde une importance au FIDA et aux projets qu'il exécute sur son sol et qui sont en phase avec la stratégie nationale de l'État de stimuler le secteur agricole, selon les affirmations de M. l'ambassadeur Hicham Badr. Le Caire soutient également le rôle pionnier exercé par le FIDA, étant un organe important de l'ONU, contribuant à dynamiser les efforts des divers gouvernements en matière de développement rural et agricole. C'est ce qu'a précisé M. Hicham Badr, mettant ainsi en vedette le rôle apporté par ce fonds aux petits agriculteurs, notamment dans les pays pauvres du continent africain. Le Conseil de gouverneurs du FIDA avait tenu sa 44e réunion annuelle périodique à laquelle l'Égypte était représentée par le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Qusair. Sur le niveau économique, le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouly, la ministre de la Planification et du Développement économique, Madame la ministre Hala Saïd. La réunion a porté sur le suivi de la position exécutive du ministère de la Planification et du Développement économique. Les détails tout de suite avec Marwa Arafa et Aïchel. Le président Abdel Fattah Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouly et la ministre de la Planification. Du développement économique Hala Saïd. La réunion a porté sur le suivi de la position exécutive du ministère de la Planification et du Développement économique. La ministre de la Planification a passé en revue l'évolution des indicateurs économiques en Égypte et dans le monde depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19, ainsi que la situation économique à l'échelle mondiale et locale prochainement, dont les données ont montré une forte contraction de la croissance économique mondiale en 2020, tenant compte du fait que le secteur du tourisme était l'un des secteurs les plus touchés au monde, en plus de la baisse des investissements directs étrangers et des taux de croissance du commerce mondial. Dans ce contexte, les mesures prises par l'Égypte ont contribué à atteindre un taux de croissance positif de 3,6% au cours de l'exercice 2019-2020, faisant de l'Égypte l'un des pays très limités au monde à avoir pu atteindre un taux de croissance réel au cours de l'année 2020, réalisant le taux de croissance le plus élevé de la plupart des pays émergents. Le président a dirigé de continuer les études des implications de Covid-19 sur la performance économique locale et internationale pour élaborer les scénarios attendus à cet égard afin d'assurer l'amélioration continue des indicateurs économiques et financiers au niveau national ainsi que surmonter tous les défis susceptibles d'entraver la durabilité des résultats positifs obtenus grâce à la réforme économique. Le président a également été informé des efforts en cours pour déplacer l'appareil gouvernemental vers la nouvelle capitale administrative, dirigeant à évaluer les programmes de renforcement des capacités du personnel de l'appareil administratif de l'État, en commençant par la préparation de programmes de formation pour les hauts dirigeants, jusqu'à la formation de jeunes dirigeants, dans le but de développer les cadres humains, ainsi que de mettre à jour les dossiers d'emploi de tous les employés au gouvernement, parvenant à l'utilisation la plus efficace des énergies humaines disponibles. Passons, chers téléspectateurs, à un autre reportage qui va jeter la lumière sur, bien sûr, le problème du logement, un problème qui y a, bien sûr, beaucoup d'importance au niveau populaire, au niveau gouvernemental. C'est pourquoi le président Abdel Fattah Sissi a fait des
réunion très importante à ce sujet avec le Premier ministre Dr. Moussa Fahmad Bouly et le ministre même du Logement, des Services publics et de Communauté urbaine, Dr. Asim Al-Ghazal. Les explications tout de suite avec AHL et Marwa Arafa. Le président Abdel Fattah el-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Moussa Fahmad Bouly et le ministre du Logement, des Services publics et des Communautés urbaines, Asim Al-Ghazal. La réunion a pour objet de revoir la position exécutive des projets du ministère du Logement, notamment en ce qui concerne les nouvelles villes au niveau de la République. À cet égard, le ministre du Logement a présenté la situation constructive dans les nouvelles villes de Mansoura, de Rachid et d'Assouan, comprenant les installations, les services, les zones commerciales et de divertissement, ainsi que les travaux de construction dans le projet d'Emma d'Alexandrie, outre l'avancement des travaux d'aménagement de la zone de Zuhour Mayo, endommagée par les torrents au cours de l'année précédente. On a également examiné la situation exécutive de la nouvelle capitale administrative et de ses quartiers résidentiels, ainsi que le quartier gouvernemental, l'argent et les affaires, les développements dans la construction de la tour emblématique, confirmant que les travaux de construction se déroulent conformément au calendrier de mise en œuvre prévu, que ce soit en termes d'aspect de financement, de délai et de vrai taux de réalisation. De même, le ministre du Logement a passé en revue le travail à la nouvelle ville d'El Alamein et les projets qu'elle comprend, tels que les tours, les quartiers résidentiels, la ville patrimoniale, le quartier latin, la zone de loisirs, les complexes résidentiels et l'Université internationale des sciences et de la technologie, en plus des développements de la construction et de la position de mise en œuvre de la villa d'El Galela avec ses différents composants, y compris la chaîne d'hôtels et de centres de villégiature de la ville. Le président Al-Sissi a dirigé d'envisager la plus grande extension possible de la taille des entrées de la nouvelle capitale administrative et des axes qui y mènent, afin de s'adapter au mouvement de trafic attendu à destination et en provenance de celle-ci, tout en la reliant aux axes et aux routes, menant au Caire et à ses quartiers. Le président Al-Sissi a dirigé d'intensifier les efforts du développement du Caire historique et d'accélérer l'achèvement des dernières étapes de celui-ci pour souligner son rôle en tant que centre culturel, civilisationnel et touristique, en harmonie et en intégration avec les efforts d'expansion dans les nouvelles communautés urbaines qui sont mises en œuvre à l'échelle républicaine. Le gouvernement attache une importance au dossier de la sécurité alimentaire. En fait, c'est un grand titre, mais les explications tout de suite. Le Premier ministre Dr. Moussa Fahmad Bouly a affirmé que le gouvernement prêtait une grande importance au dossier de la sécurité alimentaire et à l'autosuffisance en produits stratégiques, et ce, au vu des répercussions de la pandémie du coronavirus. Lors de sa présidence d'une réunion sur la vision unifiée de la sécurité alimentaire, le suivi du plan de développement et de modernisation du système d'irrigation, le Premier ministre a dit que l'État travaillait à la mise en place de stations d'épuration, de réseaux d'irrigation, de projets d'imperméabilisation de canaux et de conduite d'adduction d'eau pour préserver les ressources en eau et les utiliser de manière optimale. La réalisation de la sécurité alimentaire fait désormais partie de la sécurité nationale de l'État. C'est ce qu'a précisé le ministre. Et d'autre part, le ministre de l'Agriculture a, pour sa part, affirmé que la sécurité alimentaire constituait l'un des défis les plus importants auxquels se heurtent les pays développés et en développement, notant que les axes de la sécurité alimentaire reposaient sur la fourniture des aliments à travers la production locale, le stock stratégique, la sécurisation de sources d'importation et la durabilité de sources disponibles. Nous poursuivons toujours, chers téléspectateurs, notre tournée dans le monde égyptien. Cette fois-ci, on trouve que le Premier ministre, Dr. Moussa Fahmad Bouly, a confirmé que l'État visait dans son plan pour le nouvel exercice budgétaire à augmenter les investissements gouvernementaux, et ce, pour mettre en œuvre les grands projets nationaux demandés par le président de Fattah Sissi, notamment le projet national de développement des villages égyptiens. Le chef du gouvernement a présidé une réunion pour passer en revue les caractéristiques les plus marquantes du plan d'investissement pour le nouvel exercice 2021-2022, en présence de la ministre du plan de développement économique, Hala Saïd, du vice-ministre des Affaires de planification, Ahmad Kamali, et du ministre adjoint de la planification pour les affaires de suivi du plan de développement durable, Gamil
Helmi. Pour sa part, Mme Saïd a passé en revue les caractéristiques les plus importantes du plan d'investissement pour l'exercice 2021-2022 et le taux de croissance visé, confirmant l'augmentation du volume des investissements gouvernementaux. En ce qui concerne vie décente, on trouve que le Premier ministre Dr Mustapha Madbouly a souligné l'importance de l'initiative présidentielle vie décente qui a commencé à être mise en œuvre dans certains gouvernorats, ajoutant la nécessité d'accélérer l'inventaire des terres qui seront allouées à la construction d'égouts afin de prendre les décisions de leur attribution. Le chef du gouvernement, lors de sa présidence de la réunion du Conseil des gouverneurs par vidéoconférence, en présence du ministre du Développement local Mahmoud Charaoui, du logement des communautés urbaines Asma Gaza, du transport Kamel Loisir, a demandé au gouverneur de coopérer avec les parlementaires à travailler pour résoudre les problèmes de leur conscription, soulignant que le gouvernement et le Parlement coopèrent dans l'intérêt du citoyen. Dr Madbouly a indiqué également la nécessité d'une coordination pour accélérer l'achèvement de l'inventaire du nombre de foyers qui seront rétablis dans le cadre d'initiatives présidentielles Vie décente et en aménageant des lieux alternatifs dans la résidence temporaire des familles bénéficiant de ces projets. Le ministre de l'Agriculture, Saïd Al-Khoussir, a tenu une réunion virtuelle avec les membres du bureau du Comité des études agricoles du Conseil suprême des universités. Au cours de cette réunion, M. Al-Khoussir a souligné l'importance de la collaboration continue entre les facultés d'agriculture et le ministère pour la mise en œuvre des projets nationaux afin d'assurer la sécurité alimentaire. M. Al-Khoussir a remercié Monsieur Abdel Rafouad, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, pour la coopération fructueuse entre les deux ministères en matière de recherche scientifique agricole. Toujours dans le cadre de la sécurité alimentaire, de la sécurité de l'agricole égyptienne, on trouve que les ministères de la coopération internationale, du développement local, de l'agriculture et de la solidarité sociale ont examiné le plan d'action et même les démarches exécutives proposées pour étendre le projet du programme alimentaire mondial PAM afin de réaliser le développement agricole rural suite à la réussite de la première phase exécutée dans 63 villages. Dans 5 gouvernorats de la Haute-Égypte. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashat, a tenu une réunion avec le représentant résident et directeur du bureau du PAM au Caire, Mengestab Hale, en présence des ministres du Développement local, Mahmoud Charaoui, de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabaj, et de l'Agriculture, à Saïd Al-Khoussir pour discuter des futures priorités au niveau des partenaires internationaux conformément au Programme national de développement 2030. M. Charaoui a également salué les efforts déployés par le responsable, bien sûr, et même a souligné que les projets de développement sont exécutés dans le nombre de gouvernements égyptiens et qu'il y a une sorte de coordination lors de la phase actuelle dans le cadre de l'accord de coopération conclu entre le ministère et le PAM. Dans son discours, le représentant résident du PAM a salué la coordination gouvernementale à travers le ministère de la coopération internationale pour mettre en œuvre des projets du PAM en Égypte. Passons donc, chers téléspectateurs, dans un autre domaine ou un autre domaine. Il s'agit de la science et de la technologie. À cet égard, on trouve que deux mots signés par, signés par Schlumberger et par même des universités égyptiennes. Avec plus de précision, le ministre du Pétrole et des Richesses Minérales, Tariq Al-Moul, a assisté vendredi à la signature de deux mémorandums d'entente MOU. Conclu entre l'entreprise mondiale Schlumberger et les universités de Suez et Al-Mustaqbal portant sur la coopération dans la formation et la recherche scientifique à l'intention des étudiants en génie pétrolier. Ces accords donnent corps aux soucis accordés par le ministère et ses partenaires étrangers à la formation et au développement des capacités des jeunes étudiants pour les préparer au marché du travail par la formation pratique sur les chantiers. C'est ce qu'a fait savoir le ministre.
Il importe l'ère de la transition numérique et des technologies développées de préparer une génération capable de faire concurrence à l'échelle mondiale dans tous les domaines de l'industrie pétrolière, a-t-il renchéri. Dans le domaine de la santé, il y avait bien sûr une bonne nouvelle pour tout le monde ici en Égypte, notamment dans le temps du coronavirus. Il s'agit de nouvelles livraisons chinoises de 300 000 vaccins anti-coronavirus à l'Égypte. Avec plus de détails, la ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaid, a annoncé mardi 23 février l'arrivée d'une nouvelle livraison de 300 000 vaccins anti-coronavirus produits par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, dont de la Chine à l'Égypte, et ce, dans les cadres des relations profondes et liant les deux pays et leurs peuples au cours des longues décennies. Dr Khaled Megat, porte-parole du ministère de la Santé, a indiqué que cette cargaison s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays amis pour endiguer la propagation du Covid-19, soulignant que l'Égypte était le premier pays africain à recevoir ce vaccin, à vacciner même les équipes médicales. Approuvé par l'autorité égyptienne des médicaments, ce vaccin Sinopharm est d'un taux d'efficacité de 86% et un taux de séroconversion entre 97% et 100% après deux injections. C'est ce qu'a fait savoir M. Mguerd, ajoutant que les personnes souffrant des maladies chroniques et celles âgées auront le droit d'enregistrer leur nom sur le site web du ministère pour le recevoir. Toujours dans ce cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Population, et de la Santé, Hala Zaid, a valorisé le rôle du secteur de la médecine préventive au sein du système sanitaire, notamment dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans une réunion tenue vendredi au siège du ministère, Madame Zaid a transmis un message de remerciement et d'appréciation adressé par le Premier ministre Moustapha Madbouly au secteur de la médecine préventive relevant du ministère, et ce, pour leurs efforts déployés durant les différentes activités organisées par l'État, notamment dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Madame Zaid a mis le point sur le rôle de ce secteur durant le mondial de handball et dans l'application des mesures préventives dans l'aéroport international du Caire, devenu un des trois aéroports à l'échelle mondiale à réagir aux instructions faites par l'OMS en janvier 2020. Passons très rapidement, chers téléspectateurs, à un autre domaine, et cette fois-ci, il s'agit du tourisme et de la culture. À cet égard, l'Égypte, je dois vous rappeler que l'Égypte a célébré en fait l'unique phénomène du soleil perpendiculaire au visage de la statue du roi Ramsès II. Au cœur du grand temple dans la ville d'Abu Simbel, environ 1300 km au sud du Caire, la capitale égyptienne. Ce rare phénomène astronomique apparaît deux fois par an, les 22 février et le 22 octobre. Au cours d'une vingtaine de minutes, les rayons de soleil pénètrent une distance de 60 mètres pour atteindre le sanctuaire du temple. Ceci marque le début du mois de Chamou, c'est-à-dire le début de la saison de la récolte pour les anciens Égyptiens. Les architectes égyptiens avaient situé l'axe du temple de telle façon que deux fois par an, le 22 octobre et le 22 février, les rayons de soleil pénètrent dans le sanctuaire et éclairent la sculpture sur le mur arrière, à l'exception de la statue de Ptah, le dieu rattaché avec le monde souterrain qui reste toujours dans l'obscurité. Quant à la compagnie aérienne Égyptair, elle organise 64 vols domestiques et internationaux pour transporter 5312 passagers. En fait, 45 vols internationaux sont organisés, notamment vers Beyrouth, Paris, Bagdad, Accra, Lagos, Tunis, Abuja, Doha, Abu Dhabi, Londres, Madrid, Moscou, Milan, Istanbul, Genève, Bruxelles, Amsterdam, Copenhague, Dubaï, Rome, Munich, New York, Berlin, Vienne, Francfort, Bahreïn, Khartoum, Amman, Nairobi, Addis Abeba et Erbil. Donc, encore une fois, 15 vols domestiques vers Sharm el-Cheikh, Hurghada, Luxor et Assouan sont aussi programmés
en plus de 4 vols de fret. Donc, chers téléspectateurs, avec cette dernière nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de Midi au Caire. Bien sûr, j'espère que vous avez même passé un agréable moment avec nous pendant cette édition. Et encore une fois, un très beau temps avec nous toujours sur Nat TV International. Au revoir.